finir, car je ne peux conclure, tant il y aurait encore à dire. Oui, j'en veux bien évidemment à ceux qui croyaient accomplir un travail alors qu'ils avaient un métier, laissant de côté leur savoir-faire, préférant un savoir se taire et au besoin un savoir faire taire. La décence eût été de le reconnaître et de faire amende honorable. C'est la base du savoir-être. Dans ce monde, on n'est plus, on a substitué le paraître à l'être. Oui, j'en veux également à ceux qui choisissent une vérité alternative, défendue par quelques courtisans cherchant carrière. Cette vérité erronée est rassurante pour eux et les maintient dans l'entre-soi. On n'éprouve jamais de la honte face à soi-même. Lorsque certains craignent le regard des autres, le jugement, c'est bien que celui-ci les renvoie à leur propre culpabilité. Dans ce monde, on détourne le regard de l'autre ou bien on ferme carrément les yeux. Oui, j'en veux à ces éternels adeptes de l'idéologie du padvaguisme, ceux qui sont les premiers à se mettre à genoux et à regarder tomber ceux qui sont restés debout. Se murmura à l'oreille, « Ah, tu vois, on a bien fait de se coucher. » Dans cette partie géante de 1, 2, 3 soleil, le maître mot est « T'as bougé, tu dégages ». Cette pathologie paralysante et tétanisante semble avoir atteint par contagion l'État tout entier. La culture du padvague sera l'alibi à la soumission. Terme injurieux mais surtout inavouable. Pour être capable et coupable du pire, il faut bien se trouver des raisons. Dans ce monde, on valorise le sujet obéissant, passif, parfois lâche. Et on dénigre en qualifiant de traître le sujet rebelle qui pourtant a agi comme il convient au sens de la morale. Au sein d'une société fortement hiérarchisée, agir comme il convient, c'est d'abord au contraire faire ce que l'autorité exige, de sorte que quiconque s'oppose à elle s'expose à la réprobation générale. Loin d'être considéré comme un héros, comme pourtant M. le Président Macron a pu le dire le 21 octobre 2020 lors de l'hommage national tenu à la Sorbonne, le sujet résistant est traité comme un paria, tenu à l'isolement et livré à la vindicte populaire, ce qui conduira mon frère à être livré seul en pâture à la mouvance islamiste. Mon frère a été reconnu par certains et à tort coupable de déloyauté. Le coup de sa désobéissance sera qu'il finira seul et que l'État n'honorera pas sa part du contrat social en lui assurant protection. Le dernier condamné à mort pour blasphème en France n'est plus François-Jean Lefebvre de la Barre, exécuté en 1766 à Abbeville. C'est désormais Samuel Paty, exécuté en 2020 à Conflans-Sainte-Honorine. Combien de temps vous faudra-t-il pour comprendre que la culture de l'alibi, soit religieuse, soit ethnique, est utilisée pour commettre les pires exactions? Finalement, à vouloir éviter discrimination et stigmatisation, cette attitude amalgame et réduit au silence ceux qui pensent, comme mon frère, que je cite, « la vie de l'homme est le droit le plus sacré ». Qu'ont-ils appris après ça? Si je vous dis rien, c'est désespérant, mais c'est la réalité. Est-ce qu'il n'y a que l'horreur de ce vendredi 13 octobre qui va me donner raison? Alors, est-ce que la mort de mon frère a servi à quelque chose? Bon, comme vous le savez, si ça avait servi à quelque chose, peut-être que M. Dominique Bernard serait encore là. Donc je pense qu'effectivement, les mesures n'ont pas du tout été prises puisque l'affaire de mon frère n'a absolument pas été analysée. Parce qu'il faut quand même comprendre que ce qui arrivait à mon frère, on peut effectivement pointer des responsabilités à droite à gauche, mais c'est surtout comprendre l'entrisme islamique qui est à l'actuel dans nos écoles et qui prend de plus en plus de place et que si ce n'est pas entre guillemets une menace de décapitation, on va passer à la menace d'une bombe. La société est devenue un chaos en fait à l'heure actuelle. Donc par rapport donc aux revendications donc des élèves ou des parents d'élèves qui peuvent être menaçants, donc effectivement ce qu'il faut surtout, donc ça retourne sur l'islamisme, il faut mener un combat idéologique parce que en fin de compte les mesures correctives, on va protéger un professeur, évincer un élève, le mettre dans un autre établissement, on va faire convoquer le père de famille qui a pu menacer et qui sera jugé, souvent sous des peines qui sont tout à fait négligeables. Donc, en fin de compte, ça entraîne récidive. Parce qu'en fait, on déplace les problèmes. C'est un petit peu comme si on appuyait sur un cancer et qu'on dissème des cellules cancéreuses un petit peu partout. Donc, voilà. Par rapport à ça, pour moi, c'est vraiment un combat que tout le monde doit mener contre l'islamisme à l'heure actuelle, qui effectivement est en pleine offensive et qui va de plus en plus vite. Donc, par rapport à la formation des professeurs en INSPE,
Donc pour avoir côtoyé quelques formateurs en INSPE qui eux-mêmes effectivement sont déjà fourvoyés dans une laïcité ouverte, transmettent forcément une laïcité ouverte. Donc effectivement au niveau des universités, et puis on en parle quand même assez régulièrement, on voit bien que ces enfants, donc, enfin, ces jeunes adultes, sont un petit peu effectivement écartés. C'est vrai que je ne comprendrai jamais pourquoi on a un ministère de l'Éducation nationale et un ministère de l'Enseignement supérieur, parce que je pense que quand même il y a une certaine continuité entre les deux, et de les avoir dissociés, en fin de compte, il y a un traitement qui est totalement différent dans l'enseignement supérieur, où la loi de 2004 n'est pas appliquée. Donc il y a une certaine incohérence, je pense, dans le fonctionnement d'avoir séparé les deux ministères ou qu'il n'y ait pas, entre guillemets, une relation beaucoup plus étroite entre les deux et une certaine... voilà, que ça soit cohérent dans son ensemble. Alors on va reparler donc de l'autocensure, du bâillon. Alors, je pense qu'effectivement, déjà, dans ceux qui s'autocensurent, il y en a une très grande majorité qui le font par peur. Mais également par un peu manque de courage. Manque de connaissances aussi, parce que, pour tous ces jeunes professeurs, je pense qu'ils ont une formation tout à fait succincte par rapport à la laïcité, que souvent on les jette un petit peu dans la fosse et on leur demande de se débrouiller un peu par eux-mêmes. Alors certaines fois, ils peuvent trouver appui sur des professeurs qui sont déjà sur place pour les aider, les guider, et autrement, il y a quelques formations ponctuelles mais qui, comme on l'a déjà dit précédemment, donc, sont menés par des formateurs INSPE qui conduisent à parler plus d'une laïcité ouverte. Donc effectivement, je pense qu'effectivement, il faut totalement réapprofondir la laïcité comme on l'a toujours connue en France. Donc pour ça, il faut, comme je l'ai un peu demandé, c'est reprendre la main effectivement sur l'enseignement supérieur, pour qu'effectivement il y ait un système de contrôle qui soit mis en place sur ce qui est fait et comment cela est fait.